lot of people might not know, but he proposed to you while he was in jail. I talk about this in the book when I go to see him in Rikers, when I wrote about that in the book and when I had to talk about it, speak my words for the audible version of the book. That was probably one of the more painful parts, seeing him there, the condition that he was in, and having to leave him there. And he was in bad shape. And so when he asked me to get married, he was at Rikers. And I knew at that time that A, he needed somebody to do time with him, which I was gonna do anyway. He didn't have to marry me to do time. Rider. Right. I'm here. I see why we love you. And then to, but he needed a rock. He needed, because of our friendship and because of everything we had been through together, he just wanted to feel that solidified foundation. You know, because I promise you, he would have married me and divorced me as soon as his ass left jail. He would have. All right. I'll be real with it. Right. Because so many people in that position don't have support. Right. None at all. None. You know? And he got the best. Right. He was just like, look. And I just think it was the mind state that he was in. You know? He wrote me this long letter. And I think even before Pac went to jail, he was starting to trend. He was starting to shift in a certain manner. Good or bad? Good. Really good. And I think that for him, he just felt like, okay, if I can tether myself, it'll keep me on a trajectory. Jada n'a jamais autant parlé de sa vie, même sur Red Table, son émission, juste qu'on est là, on parle, elle a jamais autant parlé. Jada, depuis qu'elle fait sa tournée là pour son livre, j'ai jamais vu ça. Il y a une nouvelle annonce chaque semaine. Alors déjà, elle est assez régulière quand même. On est d'accord que là, elle a toujours un truc. Elle frappe toujours quoi. Je sais pas, tous les 6 mois. Nouvelle annonce. Voilà. Donc là, c'est nouveau. Là, voilà. Donc, Tupac, apparemment, voulait se marier avec Jada. Tout en sachant que Jada a précisé qu'elle n'a jamais eu de relation intime avec Tupac. Donc là, on est dans le pays des bisounours. C'est genre, Tupac veut se marier avec toi, il n'a jamais couché avec toi. Donc nous, on est vraiment des teubés, quoi. C'est ça. Ou sinon, je pense que la drogue que tu vendais durant ton adolescence, il ne fallait pas la consommer. Eh, c'est pas bon. L'abus de drogue n'est pas bon hein, pour la santé. Hein. Ça agit dans les neurones. Hein. Surtout que jusque-là, moi, je te croyais un peu, Jada, quand tu as dit que genre, j'ai pas de relation intime avec... avec Tupac, parce que apparemment son gars aussi a confirmé ça. Once you paid attention to him, he kind of sucked you in, and we hit it off. Crack is cheap. And I'm tired. He'll always talk about Tupac would have did. Tupac wouldn't have f- with her. Tupac wouldn't have f- with her. I'm tired of that story. It would never went down. Oh, Tupac. I know Tupac. Tupac wouldn't have been f-ing with you. Donc pas de relation intime, rien. Mais par contre, il t'a demandé en mariage, en prison. Alors peut-être qu'il faisait une blague, mais t'as pas compris le second degré, Jada. En plus, elle est déjà en train de dire, ouais, non, bah, il m'aurait divorcé direct après. Comme tu sais que les vrais hommes avec un peu de fierté divorcent de Jada assez rapidement, normalement. C'est pas moi qui l'ai dit, les gars. C'est elle qui l'a dit. Donc, madame, la drogue, madame, c'est pas bon, madame. C'est, faut vraiment éviter, faut vraiment éviter. Alors, autre annonce aussi, Jada, c'est important que qu'on en parle, les gars, c'est important, les gars. Alors, elle a dit, moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle est revenue sur le truc de la gifle, là, aux Oscars, hein. Bon, je pense que t'es au courant quand même. Et elle a dit, premièrement, j'étais vraiment choqué. Je suis choqué, quoi. Hein. Elle a dit, parce que nous ne sommes pas appelés mari et femme depuis super longtemps. Donc moi j'étais choqué. Le gars il dit ne parle pas comme ça à ma femme. Oh, choqué quoi. Et là je me dis, Jada, quand même, j'ai l'impression que tu exagères. Hein?
Non, on est entre nous. Je comprends que tu veux faire la promo de ton livre, mais quand même, non. Tu comprends pas pourquoi il t'appelle ta femme, mais vous faites la comédie, vous faites comme si vous êtes marié et femme, et en plus, vous êtes encore marié. Tu l'accompagnes partout en tant que sa femme. Et du coup, quand il t'appelle sa femme, oh, mais c'est trop bizarre. Je suis choqué. Mais t'es sérieuse? Mais alors je sais pas. Je me dis, est-ce qu'elle est prêt ou elle est complètement. C'est pas possible. Elle est sérieuse ou pas là? Donc Jada est dans la confusion. Pourquoi Will l'appelle sa femme? Bon alors, elle est revenue sur le fait que tout le monde dit que c'est à cause d'elle. C'est jamais Will Smith si elle est partie gifler Chris Rock. Parce que genre elle a fait un coup d'œil, etc. Elle était pas contente et après Will Smith il est parti comme un chien enragé pour défendre l'honneur de sa femme qui n'est plus sa femme apparemment. Ça c'est encore une autre histoire. Will, c'est là que tu vois quand tu es amoureux tu es complètement perdu parce que là tout ce qu'elle fait Will il est au courant. Je veux dire toutes les annonces qu'elle fait Will il est au courant. Quel homme peut accepter ça? C'est pas vrai ça. Je pense qu'il veut tellement qu'elle soit heureuse qu'il se dit bah, vas-y, dérespecte-moi, salis-moi en public. On avait des accords ensemble, mais c'est pas grave. Vas-y. Si ça peut t'aider, peut-être. Donc, bref, en tout cas, pour revenir à l'histoire, elle dit c'est plus facile de dire comment une méga star parfaite peut tomber. C'est forcément à cause de sa femme adultère. Hein? Qui est de surcroît loin d'être parfaite, qu'il faut blâmer. Et là, elle a dit, de toute façon, blâmer les femmes n'est pas nouveau. Elle a osé nous sortir la carte de la femme oppressée. Jada, comment tu oses? C'est l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Elle a osé sortir la carte de la femme oppressée là. Jada, franchement, merci. Je sais pas si tu fais exprès ou est-ce que tu es candide ou vraiment tu es machiavélique. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'imagine que ton livre va se vendre allègrement. Ça fait plaisir. Bon, dans tous les cas, ça fera des vues. Hein. Tout le monde mange. Hein. Moi, je fais des vidéos aussi dessus. Donc, Jada, mais merci. Franchement, c'est incroyable. Tu es incroyable. Je suis vraiment subjugué. Donc après, elle fait genre une petite ironie, elle dit « Attends, il faut que j'y repense. » Donc, la femme adultère qui influence la folie de son mari en un coup d'œil. Donc, Jada, excuse-nous, Will Smith, il entend la blague, il rigole. Will Smith, il rigole fort, tu vois. Il rigole fort. Et après, genre, toi, t'étais comme ça. Franchement, c'est pas très drôle, je trouve. G.I. Joe. Franchement, en plus, je souffre. Ok, bon. Et là, après Will Smith, d'un coup, il s'énerve. Comment il fait pour passer de genre, tu rigoles d'une blague, c'est trop marrant, alors que toi-même, t'es un humoriste, tu sais que les gens, ils font des blagues, il est là, il est payé pour ça, à genre, switch, boum, tu vois rouge. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être la théorie qu'il est possédé. Plutôt possédé par l'esprit de Jada, ouais, je pense. Donc, excuse-nous, Jada. Mais bon, voilà, on a quand même les images. À un moment donné, pour pouvoir aller frapper quelqu'un, il faut bien une raison, faut... T'es là, tu rigoles à ça, tu rigoles derrière, ah, t'es trop drôle! Et d'un coup, waouh! Tu parles pas comme ça de ma femme! Ouais, mais t'es à rigoler avant, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Jada, je pense quand même que tu es pour quelque chose. C'est quand même le sujet du truc, quand même. À la fin, il dit, ne parle pas comme ça de ma femme. Donc, je pense quand même que il y a un truc, quand même. Il y a un lien, Jada. Parce que là, si on l'écoute, moi, je n'ai rien à voir dans tout ça. Mais, oui, moi, j'étais choqué. Moi, je pense qu'il est taré. Voilà, je pense que Will est taré. Vous ne voyez pas, moi je le connais. Vous ne savez pas, vous pensez que c'est un gars parfait. Je pense qu'il est complètement taré, c'est tout. Déjà, je ne suis plus sa femme. Voilà, donc, je ne sais pas. Donc, je suis arrivé à la conclusion que, à mon avis, ou elle le déteste, ou elle est jalouse de sa carrière, ou elle est juste frustrée parce que ce n'est pas forcément le gars qu'elle voulait avoir. Hein, vous voulez Tupac, je pense que là, maintenant, tout le monde est au courant. Hein, je pense que voilà. Et du coup, dans toute sa frustration, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais détruire l'image de mon mari ou de mon ex. Bon, je comprends pas, bon. Je vais détruire sa réputation et je vais expérimenter jusqu'où le manque de respect peut aller. Voilà. Ce sera une expérience, voilà, et comme ça. C'est un don à la science.
tout cas, ce qui est sûr, Jada, c'est vrai que là, tu es sur le bon chemin. Même moi, je suis perplexe. Oh, jusqu'où tu arrives à manquer de respect, c'est ouf. C'est waouh. Je pense que par rapport à tous les personnages publics, les gens qui sont connus, les célébrités, etc., je pense que tu es la number one, hein. Clairement, en termes de manquer de respect comme ça à son mari. Je ne pense pas qu'il y ait mieux. Alors moi, j'ai déjà vu dans le quotidien des gens qui sont dérespectés beaucoup plus que ça. C'est vrai, Jada, on ne va pas se mentir. J'ai déjà vu des gars se faire gifler par leur femme. Normal, de se prendre des coups de pression devant tout le monde. ça, j'ai déjà vu. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a pire. Donc, tu as encore un gap. Mais je pense pas que tu vas gifler un jour, Will, devant tout le monde. Ce serait quand même un truc de ouf. Parce que là, je pense que tu auras vraiment un backlash. Parce que là, tu as encore des femmes modernes qui te suivent, qui disent « Non, tu as raison, ça déchire ce que tu veux. » Parce que là, je pense que tu as encore des femmes modernes qui te suivent, qui se disent « Oui, non, ça déchire ce que tu fais. Jada, tu as raison, on est libre, on fait ce qu'on veut. C'est bien, respecte ton gars. Ça, ça déchire. Enfin, manque de respect à ton gars. » Parce que c'est pas… oui, je suis au courant, Gérard. Et là, tu te dis, mais Will Smith, comment il réagit? Bah, il a fait un post. Il a écrit notification fermée. Fun fact about me. I can take a nap almost anywhere. Et il a coupé le commentaire. Hein. Il a coupé le commentaire. Personne ne peut réagir. Enfin, en tout cas, c'est limité à très peu de gens. Donc, ça doit peut-être être les. Je crois même pas que c'est les personnes qui follow. Je sais pas comment il a fait ça, mais en tout cas, c'est vraiment les. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent commenter. Donc, ça veut dire que ça le touche. Il n'a pas envie de voir des gens qui sont en train de dire ouais, Will Smith, c'est abusé, il manque de respect. Là, là. Ça, bien sûr que c'est relou de ouf. Tu crois que c'est une. Tu crois quel homme a envie d'être dans cette situation? C'est n'importe quoi. Tu fais des plans avec ta meuf, machin. Elle fait n'importe quoi. Elle fait, non, je peux plus. C'est vrai que je t'avais fait une promesse, mais je peux plus. Mes émotions, je ne peux plus. Désolé, Will, mais tu comprends tout ça, nanani. Donc, je pense quand même qu'à l'unanimité, au vu des sorties médiatiques de Jada, on est d'accord pour dire que le problème vient sûrement d'elle. Je ne dis pas que Will Smith est propre. Personne n'est parfait. D'accord? C'est sûr qu'il a une belle image. Il entretient, il sait faire les choses. Il est marrant. Je ne dis pas qu'il est parfait. Par contre, je me pose la question, comment ça se fait? Donc, ça veut dire depuis 2016, je crois, 2017, ils sont ensemble. Le gars, il ne s'est jamais fait cramer avec une autre meuf. Jamais. Ça, c'est ouf, ça. Il est super carré. Si jamais, franchement, il est super carré. À moins que... c'est compris ou pas? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Voilà. Mais bon, pour revenir à Jada, finalement, la personne... qui n'arrive soi-disant pas à la rendre heureuse. Déjà, tu dois être heureuse par toi-même, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. C'est la seule manière que tu as pour pouvoir briller. On connaît Jada parce que c'est la femme de Will Smith. Alors apparemment, ça lui pose problème en plus, t'imagines. Elle est vénère parce que Will Smith lui fait de l'ombre, alors que sans Will Smith, tu serais personne. On te connaît juste pour ça, en fait. On te connaît juste pour pouvoir parler de sur Will Smith. Ou être la femme de Will Smith. Voilà. Et pas dans le sens où elle accomplit grave des choses et que genre Will Smith lui vole la lumière ou un truc comme ça, parce que c'est ce dont elle se plaint, hein, ça se voit, enfin, quand tu liras le livre de Will Smith, sa biographie, bon voilà. Mais c'est qu'en fait, t'es pas chanteuse, t'es pas une actrice qui a performé, enfin, je veux dire, enfin, y a rien en fait. Donc t'es jalouse de quelqu'un qui a été la meilleure chose qui t'est arrivée dans la vie. Y a quelqu'un qui a dit que la prochaine annonce, ce sera genre Will Smith, ce ne sont pas ses enfants. Non, ce ne sont pas ses enfants, madame. Non, non, non. Ce ne sont pas ses enfants. Les enfants de Tupac. Ouais, les enfants de Tupac. Ou genre, prochaine annonce, Will Smith. On ne s'est jamais rencontrés. Jamais. Bon, bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Donc, je fais ce genre de vidéo, c'est pour pouvoir être un peu mainstream, tu vois, pour pouvoir faire monter un peu la chaîne. Mais si jamais tu veux aller plus loin avec moi sur tout ce qui est le business en ligne, j'ai fait une petite formation gratuite. Où je te montre exactement comment créer ton business en ligne pas à pas, ok, avec l'intelligence artificielle. Hein, rate pas le train, c'est maintenant qu'il faut le prendre si jamais tu veux profiter de cette opportunité et pouvoir ou créer des revenus complémentaires ou tout simplement devenir indépendant financièrement. C'est totalement gratuit avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je suis à ton camp.